Gloire à Jésus, Alléluia. Gloire à Jésus, Alléluia. Merci Seigneur. Et vous saluez tout dans le nom de Jésus-Christ. Et très content pour capable être aux autres ce soir. Et surtout, tous ceux à travers le monde, hein, nous pouvons capable écouter la parole de Dieu à travers Facebook ce soir. Et certainement, avec tous mes frères, mes soeurs qui connectés ce soir ensemble et serviteurs et servantes du Seigneur, pour capable ensemble avec eux, prier ensemble avec eux et passer le temps dans la présence de Dieu ensemble avec eux. Et nous remercions eux aussi pour votre fidélité, qui à chaque fois, je peux connecter. Aussi, je peux avouer, je aussi, ben, requête, et partage l'effort de des autres pour prier pour les autres. Amen. Gloire à Dieu. Nous, vous pouvez un texte, on voit qu'il me fait la prière. Alléluia. Et certainement, vous les salue aussi, tout ben frère, ben sœur de l'extérieur, des plusieurs pays qui peuvent visionner sa vidéo là ce soir. Et aussi, ben nouvelle personne, et qui en passant, je peux get Facebook, et je trouve nous, peut prier, et peut passer un moment pour adorer le Seigneur, louer le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Et la parole de Dieu montre nous dans Psaume 37 et les versets 6, il dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Il dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Qu'importe ta situation ce soir, et bon Dieu peut inviter toi pour qu'il soit capable de faire des confiances, te faire des confiances dans toute la vie et te remettre tous tes problèmes, comment ça s'avère, là, de dire. Alléluia. Et il appelle toi pour qu'il te recommande ta situation devant Dieu, te remettre devant la face de Dieu et te mettre ta confiance en lui et lui pour agir dans toute la vie. Amen. Quel que soit le problème qui tu es là, qui te malade, qui te donne un problème financier, qui te donne un problème familial, qui te peut-être peut passer d'un moment de désespoir, ou bien tu travailles dans une situation difficile, hein. Mais Dieu jamais dit pour toi tout seul. Et quand tu fais des confiance, tu viens vers lui, tu cries vers lui. Il dit, quelqu'un tape-moi la porte, jamais moi pour mettre des hauts. Au contraire, moi pour accueillir et gloire à Dieu. Et Dieu, il pouvait nous secourir de toute la vie. Aujourd'hui, mon quoi, c'est la bonne porte qui te peut frapper à travers ces réseaux sociaux ce soir. Te peut frapper la porte de Dieu, la porte de Jésus-Christ, alléluia, qui lui-même le sauveur du monde, il aime le salut, il aime qui est capable de donner-toi la guérison et la délivrance. Et aussi, qui transforme la vie, qui t'a donné une nouvelle la vie, que là, tu n'es plus peut vivre comment dans le mal, dans le péché, dans la jalousie, dans la débauche, dans la méchanceté, mais au contraire, tu es capable de changer, transforme-toi. Et le Seigneur dit pour façonne-toi, pour capable de faire ta venue qui vient plus près avec lui de jour en jour. Alléluia. Mais ce soir, c'est une question qui te besoin, c'est qui te fait bonté, vient ton plaisir. Fais divin ton plaisir. Si tu as envie, Dieu. Et tu as envie de trouver Dieu manifesté dans toute la vie, dans toute la famille. Mets-lui de plaisir dans toute la case. Mets-lui le plaisir, ton plaisir dans toute la vie. Mets-lui le premier qui te sauve dans toute la vie. Et Dieu lui pour bénir toi. Alléluia. Seigneur notre Dieu, merci qui te donne encore ce jour merveilleux. Ce jour magnifique qui nous a dit parce qu'il nous donne ta présence, Seigneur Dieu. Et à travers le monde et à l'île Maurice, et avec nos bons frères, nos bonnes sœurs, qui dans la maison, ou bien dans le lieu de travail, ou bien je t'ai, oui Seigneur, je différent l'heure que nous, oui Seigneur notre Dieu, mais je suis capable de visionner, je suis capable et écoute la prière et même partage le problème afin qu'il nous tout qu'il a de prier. Seigneur, merci notre Dieu. Et nous avons tout faveur ce soir dans sa rayon-là. Nous avons tout la grâce, Seigneur Dieu. Alléluia. Et aussi, Seigneur, demande-toi comment nous pouvons recommander nos sauts à toi. Recommande les sauts de chaque personne, Seigneur, à toi. Oui, Seigneur, nous connaît. Nous mettons nos confiances en toi. Et toi,
agir, Seigneur. Merci, Seigneur, notre Dieu, qui te pour répondre aux besoins de tout un chacun. Nous pour trouver un malade guéri et qui te parole, qui pour prêcher avec toute, oui, Seigneur, avec sérénité ce soir. Oui, avec l'assurance, Seigneur, de servant, oui, pasteur Lula, qui venir, oui, porte la grâce, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur, il est capable. Oui, Seigneur, avec toute l'onction, Seigneur, pour prêcher ta parole. Et nous prier qu'il est guère pour toucher, belle famille pour toucher, belle pays pour toucher. Oui, Seigneur, belle nation pour être touchée, par toute la grâce, Seigneur, Seigneur Jésus. Et vous priez aussi comment Tine Fille permet-nous dans la louange, l'adoration. Oui, Seigneur. Et qui, ce moment-là, Seigneur, toi-même, cet esprit te prend contrôle et nous donne toi toute la place. Oui, Seigneur Dieu. Et qui toi agir, te dirige, Seigneur, te dirige, oui, une fille, Seigneur, te dirige nous, Seigneur, quand nous pour prier, Seigneur, aussi, Seigneur, alléluia, afin qu'il nous trouve de la main, mais tous, même personne, même à travers ça, l'écran là, même à travers Facebook, même ceux qui pour regarder après, même ceux qui pour visionner après, oui, Seigneur, notre Dieu, alléluia, qui pour capable, qui peut partager sa vidéo là aux autres, oui, Seigneur, afin ben collecte, pour être touché, ben famille, ben frère, ben soeur pour être touché, maman et papa pour être touché, ben grand-mère, ben grand-père pour être touché, les enfants pour être touchés, Seigneur, par ta parole, Seigneur Dieu, et nous louer toi, Seigneur. Oui, enveloppe-nous, inonde ça, inonde Facebook, sa plateforme là ce soir, par, oui, Seigneur, par ton présent, par ton Saint-Esprit, et nous rouen ça à l'écran là, Seigneur, nous rouen, Seigneur, sa plateforme là, par ton, oui, Seigneur, ton onction, Seigneur, et nous applique te disant précieux, Seigneur, oui, Seigneur, notre Dieu, oui, Seigneur, le sa zone là, Seigneur, le sa réseau là, Seigneur, dans le nom de Jésus, afin qu'aucun n'importe qui l'esprit mauvais, tout puissant des ténèbres, qui rôde vine contre cet rayon, Seigneur, nous liez ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui n'en y va pas empêcher la guérison, n'en y va pas empêcher bénédiction, pour manifester dans la vie de chaque personne ce soir, oui Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, ton nom est béni, ton nom est glorifié Seigneur, alléluia, et sinon adore le Seigneur de tous les cœurs ce soir, Amen. Bonsoir à tous, enfin, frères et sœurs en Christ qui connectent le Facebook et qui peuvent suivre cette réunion, mais qui sont à Maurice ou qui sont à l'étranger, nous accueillons eux dans le nom de Jésus et qui vraiment nous prions qu'ils vraiment passent un moment béni dans la présence de Dieu pour lui. Pour glorifier son nom, gloire à Dieu, et aussi pour écouter sa parole, puis nous allons prier pour les uns les autres. Et ce soir, c'est moi qui ai envie de partager une parole avec vous dans l'Ancien Testament, le prophète de Jérémie, dans le livre de Jérémie, le Seigneur dit clairement que I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? Dans Jérémie, chapitre 32. Right? Et il commence à verser là, le Seigneur, il dit moi qui, je suis le Seigneur, je suis l'Éternel. Right? Et est-ce qu'il y a quelque chose qui trop dire pour moi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui trop dire que Dieu n'est pas capable de faire? Ce soir, la côte de l'été, qu'importe qui, dans quelle situation nous trouvons-nous, bon Dieu, toujours il y a une réponse. Gloire à Dieu. Puis il n'y a aucun problème qui est trop grand, qui, bon, je n'ai pas capable de solutionner. Right? Et puis, il n'y a aucune la porte qui, bon, je n'ai pas capable d'ouvrir. Parce que, bon, il y a un bon Dieu qui est grand. Right? Et ce soir, nous chantons cette chanson-là, nous nous disons que vraiment, bon Dieu, il est bien grand, le bon Dieu, il est puissant. Amen. Alléluia. Quel problème tu es capable de faire? Pour mon Dieu, il est puissant.
Seigneur, nous croire que tu es un Dieu qui est grand, que tu es un Dieu qui est bon, Seigneur. Alléluia. Nous croire, Seigneur, que tu es le Dieu, Seigneur, de l'impossible, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Continue.
donne ta paix, tu nous conduis dans la vérité, tu nous donnes ta consolation, par ta paix. Tu nous donnes ta paix, tu nous conduis dans la vérité, tu nous donnes ta consolation. Seigneur Dieu, alléluia. La continuité, Seigneur. Moi, te touche nos cœurs, Seigneur Dieu, alléluia. Moi, te ministre, Seigneur Dieu, une race, grand Dieu, alléluia. C'est toi, Seigneur, l'esprit de paix, l'esprit de vérité, Seigneur, alléluia. L'esprit de consolation, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Nous louons toi, Seigneur. Oh, oui, grand Dieu. Seigneur, nous voulons nous l'aimer, Seigneur grand Dieu. Qu'importe, Seigneur Dieu, du sang de nos problèmes, Seigneur. Nous voulons nous l'aimer, Seigneur, pour louer toi. Et pour glorifier toi, Seigneur, alléluia. Ou donne-toi la gloire, Jésus. Oui, Seigneur, quand je lève mes mains, Seigneur. Alléluia. Je lève mes mains.
je n'ai plus de force. Mais si j'ai des problèmes, quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'en va. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles quand je lève mes mains. Quand je lève mes mains, quand je lève mes mains, je sens ta présence et je sens ta présence. Je lève mes mains. Je sens ta puissance quand je lève mes mains. Et quand je lève mes mains, ton amour m'envahit. J'ai besoin de louer ton nom. Quand je lève mes mains, mon âme est remplie. Je lave mes mains, j'ai besoin d'obéir pour glorifier ton nom. J'ai besoin de prier, j'ai besoin de chanter quand je lave mes mains. Je lave mes mains. Je lève mes mains, je lève mes mains, et je sens ta présence, sens ta présence, Seigneur. Je lève mes mains, et je sens ta puissance quand je lève mes mains. Mais ton amour m'envahit. J'ai besoin de louer ton nom. Quand je lève mes mains, amour rempli de paix, de paix. Quand je lève mes mains, j'ai besoin d'obéir pour glorifier ton nom. J'ai besoin de prier, j'ai besoin de chanter quand je lève mes mains. J'ai besoin de prier, j'ai besoin de chanter quand je lève mes mains. Merci Seigneur, grand Dieu. Alléluia Seigneur. Oui Seigneur, même si nous n'avons pas de problème, Seigneur. Nous connaissons, Seigneur Dieu, qui peut nous rendre difficile, qui ne peut pas faire, Seigneur. Même, Seigneur, grand Dieu, quand nous passons devant une difficulté, Seigneur, nous connaissons que tu es là présent, Seigneur, que tu n'es pas loin de nous. Parce que ta parole dit, Seigneur, que tu es avec nous chaque jour, Seigneur,
jusqu'à la fin des siècles, Seigneur, tu pourras avec nous. Seigneur, nous louer toi et nous glorifier toi, Seigneur, parce qu'il nous connaît ce Dieu qui nous peut louer, qui nous peut chanter, Seigneur. C'est un Dieu non seulement de puissance, Seigneur, mais aussi un Dieu d'amour, Seigneur. T'es un Dieu, Seigneur, qui remplit de compassion, Seigneur, pour ton peuple. T'es un Dieu qui remplit de compassion quand tu te trouves, Seigneur Dieu, ton peuple, Seigneur, qui peut souffrir, Seigneur grand Dieu. Nous connais, Seigneur, qui n'est pas te désir, Seigneur. Nous connais, Seigneur, qui te voulait, Seigneur grand Dieu, qui nous trouve une solution et que sa solution là est en toi, Seigneur. En toi, Jésus, Seigneur, notre Dieu. En toi, Seigneur, notre roi, Seigneur. Alléluia. En toi, Seigneur, le Dieu qui guérit, Seigneur, le Dieu qui délivre, alléluia, le Dieu qui pourvoit à nos besoins, alléluia. Et ce soir, Seigneur, nous envie qui te prend la place, Seigneur, la continuité, Seigneur, donne-nous la somme, donne-nous la case, dans chaque pays que nous trouvons, nous, Seigneur, nous prions qui vraiment, Seigneur, te pour meet our needs, Lord, qui, Seigneur, grand Dieu, te pour tant, Seigneur Dieu, te demande la prière qui pour monte vers toi, Seigneur, grand Dieu, alléluia. Et nous louer toi, nous bénis toi, Seigneur, alléluia, pour tout ce qui toi te été, Seigneur. Ton nom les bénit, ton nom les glorifie, Seigneur, alléluia. Merci, Papa. Merci, Seigneur, grand Dieu. Merci, Saint-Esprit, qui toi agir là, continuité, Seigneur, grand Dieu. Alléluia. Merci, grand Dieu. Dans le nom de Jésus, nous prions toi. Amen. Alléluia. Amen. Merci, Tinfi. Gloire à Dieu. Merci. Je sors, frères et sœurs en Christ, encore une fois, d'un commun accord avec toute l'équipe de Saint-Paul. Nous vous souhaitons la bienvenue ce soir sur ce site pour nous capables, que nous fait louer le Seigneur, nous adorer de tout le cœur, et aussi pour nous écouter sa parole. Ce soir, qui, comment nous ferait, comment le pasteur Steve aussi finit exhorte nous au départ et comment nous ferait une fille aussi finit exhorte nous pendant ce temps de louange qui nous a fait Dieu confiance dans toutes les circonstances. Moi, je ne connais pas qui je peux faire face, mais Dieu l'y connaît. C'est ça qui est le plus important. Et Dieu l'y connaît, il trouve toute bonne situation. D'ailleurs, il dit, tout est à nu à découvert devant lui. Rien n'est caché. Et notre Dieu voit tout et il sait tout. Alors, ce soir, frères et sœurs en Christ, avant qu'il me commence, partage le message de ce soir à nous prier. Papa l'Éternel, dans le nom de Jésus, ce soir, Seigneur, me le dit, merci, cette opportunité qui te permet, Seigneur, pour qu'il me capable partage de parole et qui toutes mes enfants, Seigneur, puis à l'écoute ce soir. C'est une opportunité que nous capables rejoindre nous la foi ensemble, Seigneur, mon Dieu. Et Seigneur, toi, tu es le Dieu qui est omniprésent, omniscient et omnipotent. Père du ciel et de la terre, ce soir, Seigneur, me mettre moi-même dans ta main, qui me prie chaque parole qui sort de ma bouche, il y a une parole qui vient de toi. Et me prie, Seigneur, qui te wende toutes mes oreilles, qui peut être à l'écoute, Seigneur, pour être capable d'entendre ta parole avec joie. Wende tes cœurs pour être capable de recevoir ta parole, Seigneur, mon Dieu. Et qui ta parole, il prend racine, il est capable de grandir, il vient des grands arbres et il porte beaucoup de fruits pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Alléluia. Ce soir, le thème de mon message ce soir, c'est la protection et l'amour de Dieu. Nous, bon Dieu, c'est un grand bon Dieu. Il y a un bon Dieu qui dit content nous, comme il prouve nous dans la parole, Jean 3, 16, qui, bon Dieu, finit tellement content le monde qu'il envoie ce seul garçon pour donne-se la vie pour nous et qui, nous, en retour, nous recevoir cette vie. Cette vie en abondance, cette vie éternelle. Combien ça, mon Dieu, là, il est content. Nous, combien ce Dieu, il a le souci de nous bien-être. Alors, ce soir, frères et sœurs en Christ, on vous partage la parole de Dieu sur la protection et l'amour de Dieu. De nos jours, beaucoup de monde rôde la protection. Je cherche la protection dans beaucoup de choses, hein? Premièrement, il y a beaucoup de monde les rassurer, protéger l'avenir, je trouve une assurance qui n'a rien de mauvais. Quand nous guettons la télévision, même faire une pub, hein, une assurance, telle assurance, ça est meilleure. Et
Beaucoup de monde trouve, cherche cette protection hein, pour protéger la famille, pour rassurer, comme on dit, d'une certaine manière, de l'avenir. Et là aussi, je trouve protection sous toute forme. Sous toute forme. Quitte un croyant ou pas, je cherche la protection. Mais vous trouvez dans quelle manière, dans quelle qualité, quelque chose qui certains hommes, certaines femmes cherchent la protection. Et là, ben, dimoun qui grand-matin quand vous êtes levé, avant vous êtes quitté de la case, vous pouvez consulter votre horoscope, vous guettez qui les astres disent ça la journée là comment elle peut être, si pas tout pour passe bien. Alors vous bisez ça horoscope là, vous bisez ça horoscope là pour rassurer vous pour me dire que la journée pour passe bien. Il y en a beaucoup qui ont consulté ben devin, hein? Alors pour prédire à eux, à travers ben code ou toutes sortes de gadgets, ils ont dit, ils ont utilisé. Même à la télévision aussi, nous trouvons une pub qui dit, ah, voilà, consultez tel numéro, tu peux connaître, si pas, tu peux être un garçon, tu peux être un petit fille, si tu peux trouver, tu peux avoir beaucoup d'argent. Tout cela, il y en a aujourd'hui. Beaucoup de personnes, ils ont dans leur croyance. Je cherche ça ban certaines protections là pour vous. Et aussi il y en a qui quand peut causer certaines affaires pour autre divoire pour tout ça. Dire peut autre divoire rodé abriter autre divoire pour tout ça. Mais tout cela ce sont des superstitions. Est-ce qu'il nous bon Dieu fait créer nous pour nous mettre nous confiance dans divoire? Pour nous mettre confiance dans ban telles affaires, ban choses futiles et qui pas mais n'y de bon dans la vie de ces gens. Et là, maman, les attentes du monde peuvent causer, vous pouvez tenir une conversation, et dès les autres, crier, vous avez trouvé là, c'est la vérité. Ha! C'est la vérité parce que ça a des bébés qui crié. Ah, mais à tel point du monde vient superstitieux. Hein? Mais nous pouvons être un petit coup de ce soir, frères et sœurs. Est-ce qu'il y a dans sa bande d'affaires là, nous capables de gagner protection? Est-ce qu'il y a dans sa bande quelque chose là, nous capables de gagner protection? Et là, qui utilise ben amulette, je connais ben talisman et ça dans un ticou, bien ça dans un poste, je peux avoir les autres amis, je peux toucher pour assurer les autres qui ça là dans un poste, pas oublier lui et qui ça pour protéger les autres. Et là, il a ben porte-bonheur, hein, porte-bonheur dans un lamet, hein, que t'allais sa porte-bonheur là avec les autres parce qu'ils ont une confiance dans ces affaires là. Les capables des fois tu nous nous notre porte-bonheur, des fois il y a une porte-clé notre porte-bonheur. Et tout cela a été fait par la main de l'homme. Et pourtant l'homme les confie lui dans sa bonne affaire là. Et ce soir nous pouvons être un petit coup. Nous en tant qu'enfants de Dieu, en qui nous avons nos protections. Quand nous protections y était. Et ce soir, on est bien content quand le pasteur Steve vraiment en esprit et qui comment il priait. Il dit d'abord, quelle situation que tu étais, tu as besoin de faire confiance, ça bon Dieu là. Faire confiance, ça bon Dieu là. Alors, nous trouvons que ça va quelqu'un qui croit dans toutes ces affaires là, dans ces bonnes choses futiles là. Vous êtes un père, vous êtes père de l'avenir, vous êtes père de là maintenant, vous êtes père de l'air qui peut arriver. Parce que je ne suis pas capable de croire, je ne suis pas capable de faire confiance en celui qui nous rassure, qui nous protège, qui a tout le contrôle, qui est Dieu lui-même. Et c'est désolant, hein? C'est désolant. Moi, je suis triste, hein? Je suis triste. Alors, frères et sœurs en Christ, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous qui disons, nous sommes chrétiens. Quelquefois, nous voyons les chrétiens dans ces choses. Nous voyons les chrétiens aussi croire dans ces affaires futiles-là. Hein? Quand on cause tous du bois, on a du bois pour tout cela. Alors, pour, ça pourrait viser le malheur. Mais un chrétien authentique, un enfant de Dieu, est-ce qu'il peut croire dans toutes ces choses? Ou bien, il peut mettre ce lisier fixé dans celui qui fait craindre. La Bible nous dit que Dieu nous a créés à son image. C'est un privilège, c'est une grâce, c'est une bénédiction, frères et sœurs en Christ. Alors ce soir, nous pouvons être un petit coup.
quand nous pouvons faire face à une difficulté, nous pouvons faire face à la maladie, quand nous pouvons faire face dans une certaine circonstance qui nous trouve lié comme un Goliath, qui nous trouve lié comme une montagne, hein, qui nous réaction, comment nous agir. Est-ce qu'il nous gagne peur, nous trembler? Bien sûr, la peur, il c'est humain. Mais, en tant qu'enfant de Dieu, nous qui détenions la vérité de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin cassier pour lire la parole de Dieu. Nous en toute liberté. Et ce soir, ça prouve nous qui quand nous sommes capables de louer le Seigneur à travers Facebook. Quand nous sommes capables d'adorer le bon Dieu en toute liberté. Toute la gloire pour toi, Jésus. C'est une grâce. C'est une grâce, frères et sœurs. Peut-être nous pas réaliser ça, parce qu'il y a certains pays, vous avez besoin de casser dans une chanderie, vous avez besoin de casser dans une chanderie de maïs, hein, pour lire la parole. Et dans certains pays, vous n'êtes pas capable d'avoir la liberté pour lire la Bible. Vous avez décidé la Bible, passe pour passe, et si à qu'il centre les autres, vous êtes capable d'avoir la parole de Dieu, parce qu'il y a l'oppression, il y a l'obstacle. Mais nous sommes vraiment privilégiés dans notre pays. Nous sommes capables de lire la parole de Dieu à n'importe qui moment. Nous sommes rassemblés à n'importe qui moment. Et ça nous prouve là, maintenant, frères et sœurs en Christ. Mais nous pouvons un petit coup, trois personnages dans la Bible. Hein? Trois personnages dans la Bible qui, sont aussi, à un moment de la vie, sont une faire face à une circonstance, à une situation qui est vraiment difficile, qui redamène la paix dans eux. Et nous pouvons dire ça trois personnages là. Quelle a été leur réaction? Comment ils ont fini de réagir? Comment est-ce qu'ils ont fini de faire confiance à ce Dieu? Alors, ces trois personnages là, ils trouvent dans Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3 à partir du verset 10. On va pas capable lire le chapitre net parce que c'est très long. Ben, moi pour lire une certaine partie, mais parce qu'il me sert. Tout qui m'écoute nous ce soir, je connais l'histoire de Daniel. Mais mon choisir, mon gain touché de Dieu pour amener sa trois personnages là devant nous. D'abord, ça finit posant moi-même d'abord en premier pour me capable porter ça ce soir. Alors, nous trouvons dans Daniel chapitre 3, qui s'appelle Shadrach, Meshach et Abednego. Et nous trouvons que ces trois hommes finissent pas par une situation très, très pénible. Et nous avons un petit coup de réaction. Est-ce qu'ils ont fait un compromis? Est-ce qu'ils ont fait un père? Est-ce qu'ils ou bien ont fait confiance à leur Dieu? Alors, on peut lire à partir du verset 10. Alors, serviteur de Dieu, serviteur dans le palais du roi Nebuchadnezzar, Zot venait se dire, il prit la parole et dit au roi Nebuchadnezzar, à partir du verset 9, « Ô roi, vis éternellement, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du salterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. » La statue d'or, la statue a été faite à l'image de Nebuchadnezzar. Alors, quand tu as le son de tous ces instruments de musique, il fallait, je suis bizarre, baroudant, je suis bizarre, zénou, je suis bizarre, courbé devant sa statue-là. Nous avons un petit peu. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas. Alors, qui s'en a quiconque qui part pour prosterner devant sa statue-là et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Les rois qui nous donnent ça. Donc là. Alors, l'idée de dire comme ça que celui qui part pour adorer sa statue-là te pousse éclater au milieu de la fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance, parce que maintenant tu es en captivité. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi, ils ne servent pas tes dieux, avec un D petite lettre, avec un X à la fin.
et il n'adore point la statue d'or que tu as élevée. Alors, Bana vient rapporter, voilà ces trois hommes qui t'ont élevé dans ton palais, dans ton royaume. Mais Bana pas prend compte de degrés qui t'ont donné, qui me dire qu'il y a au son des instruments, Zot Bizin a zénouillé devant sa statue-là qui représente le roi Nebuchadnezzar. Il dit, mais tu me dis, ça c'est l'équipe pour faire cela, pour être là dans la fournaise ardente. Ils ont demandé, ils ont touché un point sensible du roi Nebuchadnezzar. Comment nous dire, ils tous ce boubou. Hein? Alors, Nebuchadnezzar, irrité, furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces trois hommes furent amenés devant le roi. Le roi dit à ses autres amenés. Là, ils ont colère, là. Hein? Ils sont irrités parce qu'ils pas observent ce décret, ils pas observent ce l'ordre qu'ils disent. Et là, Nebuchadnezzar causait, il dit avec Bana, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Est-ce qu'il est vrai ça? Hein? C'est une première décision là? Qu'ils n'ont pas pour d'or, mon bon Dieu, et qu'ils n'ont pas pour d'or sa statue qui m'a fait élever là? Maintenant, tenez-vous prêts. Là, ils donnent ce l'ordre là. Là, ils font pression là, aux autres là. Ils disent aux autres comme ça. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du salterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Il dit, voilà, quand vous tendez la main sur la musique là, vous êtes bizarre à adorer. Zot bizet courbé devant cette statue-là. Parce que, un l'autre qui m'a fait donner zot là. Parce que, si zot n'a pas fait ça, m'a fait zot au milieu d'une fournaise ardente. Et là, nous trouvons que le roi lui lance à ses trois amis-là, à ses trois camarades-là, un ultimatum. Frères et sœurs en Christ, ça savait, c'est 15 ans. Et là, il fait une pression terrible à ses trois camarades-là. Hein, parce que ce l'orgueil finit de toucher. Nous trouvons ce l'arrogance. Alors, Olivier Nickman menace. Et qu'est-ce qu'il dit? Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? L'est-il pensé qu'en tant qu'un roi, cela met est vraiment puissante? Mais te la main n'est pas capable plus puissante que notre Dieu, frères et sœurs en Christ. Alors, il dit, qui l'armée, qui ça bon Dieu là qui est capable de s'absorber de mon armée? Mes frères et sœurs en Christ, mes Shadrach, Meshach et Abednego, eux ont une confiance totale, absolue en l'éternel Dieu. Ils ont une assurance là. Et ils ont connu en qui ils ont une protection. Ils ont connu qui ça n'a qui pour protéger. Zotena, ça l'assurance, là. Zotena, même dire, est-ce qu'il bon Dieu, là, vraiment, pour sauver nous, ça? Est-ce qu'il ça bon Dieu, là, il pour capable de délivrer nous de la main du roi? Non. Avec assurance, mes frères et sœurs en Christ. Et là, nous trouver qui ça, trois camarades, là. Zotena, ne fait aucun compromis avec les rois. Aucun compromis, frères et sœurs en Christ. Alors, nous guettons votre réponse. Alors, votre réplique au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Nous ne pouvons pas donner aucune réponse à ce sujet-là, non. Nous pas besoin, réponds-toi. Parce qu'il te peut dire, nous, comme ça, qui ça bon Dieu qui peut s'appeler nous là de te l'armée. Nous ne pouvons pas répondre toi là, non. Parce que je t'ai dans l'assurance en l'éternel Dieu. Je te connais ce Dieu qui se t'adore, ce Dieu qui se croit là, comment il y a un bon Dieu et n'a toute la capacité. Comment ça bon Dieu là, il y en a le vouloir et le faire? Comment ça bon Dieu là, il y a un bon Dieu tout puissant, frères et sœurs en Christ? Et dans verset 17, qu'est-ce qu'il se dit? Voici, notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Avec assurance, mes frères et sœurs en Christ, ces trois camarades-là disent que les rois,
nous bon Dieu qui nous servit là, ça bon Dieu qui nous servit là, il peut délivrer nous de la fournaise ardente. Et il peut délivrer nous aussi de tout l'ami. Au roi. Hein? Je te reconnais qu'il est le roi, mais, je tenais un bon Dieu qui est plus grand qui ça les rois là. Un Dieu tout puissant. Et il continue dans le verset 18 avec confirmation, avec assurance, frères et sœurs en Christ. Sinon, sache au roi, mon frère, toi, connais les rois, que nous ne servirons pas tes dieux, nous pas pour servir ton bon Dieu. Ça plusieurs dieux qui tout est dans là, ça Dieu qui avec une petite lettre là, ça Dieu qui a un X à la fin là, nous ne pas pour servir ça bon Dieu là. Et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Et nous fait connaître les rois qui nous pas pour adorer la statue qui te fait élever. Nous ne pas adorer ça ban affaires là non. Nous nous adorons nous bon Dieu qui est vivant, ce Dieu qui nous a créé, qui nous a créé à son image. Frères et sœurs en Christ, ce Dieu que ces trois amis là peuvent proclamer là, Seigneur. Ce soir, frères et sœurs en Christ, à travers la parole de Dieu qui révèle nous cela. Hein? Ces trois camarades-là, je peux révéler un bon Dieu qui est dans toute la capacité. Un bon Dieu qui est capable de protéger nos enfants quand nous faisons confiance, quand nous n'avons aucun doute, une confiance absolue. Une confiance absolue, frères et sœurs en Christ. Et si nous continuons à lire, nous dire, et les rois, ils finissent en colère, quand maintenant ils répondent, ils ont une fureur terrible, et la Bible dit nous, ce figure sans aim, hein, et ce visage finit tourne vers Shadrach, Meshach et Abednego, et il prend la parole, il ordonne pour qu'il sauve la fournaise 7 fois plus, qui d'habitude habitue chauffer. Et là, il commande à ce bon soldat pour. Prends sa trois camarades, Shadrach, Meshach et Abednego, zet dans la fournaise ardente. Et sa trois hommes-là, zet finette liés. Zet finette liés avec zet caleçon, zet tunique, zet manteau et tous zet ban vêtements et fin zet au milieu de la fournaise ardente. Pareil comme à l'autre qui les rois fin donné. Et tellement sa fournaise-là, li saute, hein? Et qui. La flamme fin tuer ces hommes qui fin ce ban soldat, ce ban serviteur qui fin zet sa trois camarades là dans la fournaise. Zotem zotin mort avec sa vapeur là, avec sa chaleur là. Mais Shadrach, Meshach et Abednego fin tombe au milieu de la fournaise en dents liés. Et là, nous guette un petit coup d'arrivé. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé. Et il levait précipitamment et il prend la parole, il dit avec ce bon conseiller, est-ce qu'il nous pas finir trois hommes au milieu de sa fournaise ardente là? Et bien, il dit certainement, roi. Et il dit, eh bien, moi, je trouve 4 hommes sans lien qui peuvent marche au milieu du feu et qui ne peinent aucune brûlure à leurs autres. Et sa 4e personne là, sa figure, il ressemblait à celle d'un fils de Dieu. Frères et sœurs en Christ, dans sa situation-là, dans sa fournaise ardente-là, Dieu t'avait ses trois camarades-là. Dieu t'avait sauté. Parce qu'ils ont fini d'oser faire face au roi, à sa bonne décision, une décision malsaine, parce qu'il dit où les qui sont là, adore sa statue-là, adore ce bon bondier. Mais ils ont fini tenir ferme dans la foi. Qu'importe, te les brille nous, qu'importe. Mais nous pas pour obéir à toute la loi, à tout l'autre qui te paie de nous. Parce que nous les restons toujours fidèles à notre Dieu. Frère, pas tu n'as aucun amulette avec eux. Pas tu n'as aucun talisman avec eux. Je ne peux pas faire aucun compromis. Je ne dépends pas de l'éternel Dieu, de ce Dieu vivant. Je ne fais pas confiance. Frères et sœurs en Christ. Et là, Nebuchadnezzar, il tremblait, il gimpait, et il costait à l'entrée de la fournaise, et il prend la parole,
Il dit Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, ah, ce zénou kabossé, cela l'a confessé que le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego est le Dieu suprême. Il est le seul vrai Dieu, l'unique Dieu. Il dit sortez, venez. Et ces trois hommes sortirent du milieu du feu. Et là, quand ils sortirent, ils ont trouvé qu'ils ont les corps, pas fin d'être brûlés, ils ont linge, ni ils ont CV, tout intact. Tout intact. Parce qu'il est le Dieu vivant. Ils ont parti même et n'ont l'odé à du feu avec eux. Pas même tous eux. Nous tous nous connaissons quand il a du feu, sentir l'odé à la fumée, pas vrai? Quand il s'est brûlé, l'odé à la fumée, il est vivant. Et là, nous trouvons que Nebuchadnezzar, lui-même, lui bénit Dieu. Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange délivrer ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Cela bousse dire, cela bousse confesser que ses trois amis finissent la confiance en ce Dieu vivant. Et que ce Dieu, il envoie ce ange. Et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Amen. Alléluia. Frères et sœurs en Christ. Et ces qualités-là même, nous avons la confiance en notre... Aujourd'hui, nous avons le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ qui nous vit dans la terre, puisqu'il est 1000 ans de cela, qui nous donne cela vie. Il nous donne cela vie pour moi, pour toi, pour nous tous qu'il a ce soir. La Bible nous dit qu'il a donné sa vie pour toute l'humanité, mais à celui qui croit en lui, qui l'accepte, qui le reconnaît comme Seigneur et Sauveur, il devient un enfant de Dieu. C'est pour cela qu'ils se sont capables d'être un enfant de Dieu, parce qu'ils croient en ce que Jésus a accompli pour nous, en ce que Jésus a donné sa vie pour nous, frères et sœurs en Christ. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu. Mais il ne fallait pas qu'il nous dise que nous la bouche, qu'il nous enfant de Dieu, mais quand on passe à l'action, il bat ça. Nous bisons pareil comme Shadrach, Meshach et Abednego. Ce qui nous dit, nous confions, nous confions en Dieu, nous confions en Dieu. Eh bien, dans nous, l'action aussi, vous êtes démontré qu'il y a sa confiance là en ce Dieu, en ce Jésus, ce Dieu trois fois saint, ce Dieu qui nous a aimés avant la fondation du monde, ce Dieu qui nous a trouvés, qui nous a choisis quand nous étions une masse informe dans le sein de notre mère. Dieu nous a choisis. Dieu finit lié à nous, frères et sœurs en Christ. C'est sa qualité confiance à qui nous disait non, ce Dieu. Ce Dieu qui compte en nous d'un amour si grand. Si grand, frères et sœurs en Christ. Nous avons notre exemple de l'Ancien Testament même. Moïse, le peuple hébreu, quand ils étaient en Égypte. Et quand le roi Pharaon, le roi d'Égypte, quand ben, il a dit comme ça, et sa peuple-là puis grandit en nombre, et ils sont puissants. Les rois gagnent paix à eux. Alors, ils ont donné un l'autre. Il dit avec toute une sage femme, qui, quand une femme hébreu pour accoucher, tout un premier-né, un garçon, tu es eux. Et justement, cette femme, il accouche de Moïse, et une cachette de bébé, le bébé était tellement joli, beau. Une cachette dit pendant 3 mois, mais pas qu'à cachette lié. Eh bien, il fait un panier en bitume, il met là-dedans, et ceci est finalé, fin pousse, et il est de loin, parce que la princesse est tout soban, et tout soban femme, tu peux baigner. Et quand on trouve cet enfant, ben là, c'est un enfant hébreu. Et il prend lit. Et nous tous nous connaissons l'histoire de Moïse. Comment finir dans la protection de Dieu, c'est cet enfant? Il tient encore un bébé. Mais Dieu t'a déjà fini choisir lui. Dieu finit un plan pour lui. Dieu finit dans sa protection, là, lui, frères et sœurs en Christ. Finit dans la protection de Dieu. Dans la vie de Moïse. Et c'est lui-même qui finit délivrer le peuple d'Israël sous l'esclavage d'Égypte. Et comment Dieu finit agir puissamment à travers lui. Quand il peut conduire le peuple pour sortir d'Égypte. Hein? Et nous trouvons que le roi d'Égypte peut accabler ce peuple. Mais Dieu prend la décision pour délivrer eux de cet esclavage.
délivrer les autres, frères et sœurs en Christ. Et maintenant, quand nous venons dans le Nouveau Testament, quand nous guettons la vie de Jésus, Jésus prend naissance comme tous enfants, tout petit baba est né de Marie par la puissance du Saint-Esprit. Dans Matthieu chapitre 2, verset 7-15, hein, Hérode, quand il apprend qu'il Banapédia, le roi des Juifs, il naît, alors il n'y a père à cause pour l'autorité, il n'y a père. Alors, nous pouvons lire ça à toute vitesse. Nous garconnons, mais il est beau qui nous guette la parole de Dieu. Hein? Matthieu chapitre 2, verset 7 à 15. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait et les envoya à Bethléem en disant, allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille moi aussi, moi-même, l'adorer. Mais il tient à ce plan. C'est qu'il peut dire la menti ça. Il tient un plan diabolique. Après avoir entendu le roi, ben là, allez, et voici l'étoile qu'ils ont trouvé, fin dirige en Orient, ils ont fin arrivé, ils ont trouvé l'enfant Jésus dans l'étable. Et quand ils ont fin rentrer dans la maison, ils ont trouvé le petit enfant, Marie, sa mère, est prosternée et l'adorèrent, et là, ils commencent, Thierban Cadeau commence de lire. Et puis, divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Vous trouvez, la main de Dieu était déjà sur l'enfant Jésus. Prothésie parce qu'il tient une mission pour venir accomplir. Il tient une mission, il y a un plan pour venir accomplir, hein, pour l'humanité. Alors, mon Dieu fin averti, un ange fin averti ses mages et Zot fin bizin prend un autre ses mains. Et lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, reste-y jusqu'à ce que je te parle, quand Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Et il resta jusqu'à la mort d'Hérode. Hein? Vous trouvez que Dieu fin avertit à Joseph qui te disait aller maintenant. Dieu dit toujours, guide Joseph dans le chemin qu'il disait prend pour protéger cet enfant. Et nous trouvons que Joseph fin obéir à tous les avertissements, à toutes les directives que bon Dieu peut donner. Il fin obéir à toutes les directives. Frères et sœurs en Christ, nous aujourd'hui enfants de Dieu, nous avons la parole de Dieu. Quand nous donnons une situation, nous cherchons la réponse dans la parole de Dieu. Dieu nous parle à travers la parole. C'est sa parole, sa vérité. Mais quand Dieu cause avec nous, des fois, nous parlons écouter. Nous parlons écouter les directives de notre Dieu. Et c'est ça l'erreur. Et comment est-ce qu'il nous gagne la protection de Dieu? Comment nous pour recevoir et jouir de la protection et de l'amour de Dieu, frères et sœurs en Christ? C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Tant que les enfants d'Israël t'obéirent aux préceptes de Dieu, hein, et Dieu t'y promet une bénédiction qu'ils ont pour recevoir, que ce soit concernant votre école, que ce soit votre bétail, que ce soit votre enfants, toutes les bénédictions terrestres et aussi une protection physique. Mais quand tu désobéis, qui t'arrive? Et toutes les premières générations ne sont pas capables de rentrer dans la terre promise parce qu'ils ont fini toujours un peuple au courant. Ils ont fini toujours résumés. Frères et sœurs en Christ, nous aujourd'hui, enfants de Dieu, nous qui finissons recevoir la grâce, le salut de Dieu à travers le sacrifice parfait de notre Seigneur Jésus, quand il verse du sang dans la croix pour nous, jusqu'à ce que de l'eau qu'il sortit dans son corps. Est-ce qu'il ne pas obéir à la parole de Dieu? Est-ce qu'il, quand nous avons une situation, nous cherche la face de Dieu? Dieu les canalise nous. Dieu y amène nous dans le chemin. Il montre nous la direction. Est-ce qu'il ne pas obéir? Après les lacaries de ban situation extrême, nous dire que tu étais bon Dieu, qui fait te papé protège moi, qui fait te papé répondre à la prière, qui fait te papé tant moi, Seigneur.
Est-ce que c'est la faute de Dieu? Est-ce que c'est Dieu ce taureau ça? Non, vas-y sur mon fils. Il nous disait obéir. Pareil comment Joseph, il n'obéit aux toutes directives de Dieu. Il fit obéir. Et Jésus fit un récit accompli, tout ce plan qu'il utilisait accompli dans la terre pour sauver l'humanité. Dieu fit la planise de sentier, frères et sœurs en Christ. Alors, il est pourtant, comme le pasteur Steve, dans la prière d'introduction, une cause, hein, faire confiance, mon Dieu. Toi, que tu étais, faire confiance à mon Dieu là. Faire confiance, Jésus-Christ. Garde-toi la foi, il ne faudrait pas te la foi, il vaciller. Il ne faudrait pas nous la foi, il comme une vague. Un moment, il montait, un moment, il baissait. Nous la foi, il disait inébranlable. Non, on n'y est pas sacouille, nous la foi en Jésus-Christ. Non, on n'y est pas fait, nous la foi trembler, frères et sœurs en Christ. Rappelle-toi ces trois amis. Shadrach, Meshach et Abednego. Regardez-moi, mais ça, l'Ancien Testament, la parole de Dieu est toujours le même, mes frères et sœurs en Christ. La parole nous dit, la terre est pour passer, mais la parole de Dieu est pour demeurer éternellement. Frères et sœurs, la parole de Dieu, il n'y a pas autant qui nous croient, qui nous donnent confiance. Ce que Dieu nous demande de faire, nous obéir. Parce qu'ils connaissent tout quelque chose qui nous fait dans la vie, il y a une conséquence. Vous comprenez ça? Tout quelque chose qui nous fait dans la vie, il y a une conséquence. Nous faire bon quelque chose, il y a une conséquence. Et quand nous faire mauvais aussi, il y a une mauvaise conséquence. Frères et sœurs en Christ. Alors ce soir, mon exhortation, hein, la parole de Dieu ce soir, mes frères et sœurs en Christ, parle à chacun de nous. Il parle à moi d'abord en premier. Je connais moi bien quand on lit les psaumes. Et quand nous guettons les psaumes, les psalmistes commencent à t'encourager. Et la majeure partie des psaumes a été écrite par le roi David. Dans le psaume 141, verset 8, il dit, « C'est vers toi, éternel Seigneur, que se tournent mes yeux. C'est auprès de toi que je cherche un refuge. N'abandonne pas mon âme. » Il cherche le refuge auprès de l'éternel Dieu. Et dans le psaume 27, le verset 1, il dit, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? » Et cela nous rappelle ces trois amis-là, ces trois camarades-là, qui te font face au roi Nebuchadnezzar. Quand le roi Nebuchadnezzar dit comme ça, « Qui ça, bon Dieu, qui est capable de sauver toi de mon armée? » Eh bien, la main de Dieu Tout-Puissant, qui le sauve. Et qui compte sauver nous, fin cabossé, il reconnaît que le Dieu de Meshach, Shadrach et Abednego est le Dieu suprême. Cela vous confessez, frères et sœurs en Christ. Que l'éternel Dieu est le Dieu suprême. Et la parole de Dieu lui promet nous la protection de Dieu. Voilà en qui nous cherche la protection. La protection n'est pas demeure de même talisman, n'est pas demeure de même toutes sortes de choses, pas besoin de du bois, tu sais, pas besoin de faire tout ça là. Pas besoin de ban amulette, pas besoin de ban pot de bonheur. Non, la protection vient de Dieu, le Dieu vivant, le Dieu créateur, le Dieu qui fait créer le ciel et la terre et tout ce qui est là, le Dieu qui fait créer nous, les êtres humains, à son image. Le Dieu qui n'a envoyé ce seul garçon pour mort, pour donner cela la vie, pour sauver nous de nos péchés, de nos iniquités, frères et sœurs en Christ. Nous tous comme psaume 91, pas vrai? Beaucoup comme ça, sommes là, par cœur. Et parfois, nous récitons comme ça, mais sans qu'il nous puisse comprendre ce qu'il nous peut dire, qui sa parole-là lui dit, qui sa signification. Et dans le verset 11, qu'est-ce qu'il dit? Il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, afin qu'il te garde. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Combien nous précieux aux yeux de Dieu. Combien nous n'avons valeur aux yeux de Dieu, mes frères et sœurs en Christ.
Car Dieu, c'est lui-même nous refuge, c'est lui-même nous l'appui, comme le psalmiste disait dans le psaume 46, verset 2. Hein? Un secours qui est toujours présent dans toutes les situations, frères et sœurs en Christ, dans les situations les plus délicates, dans la détresse. C'est lui-même nous secours, lui-même nous bouclier. Et mon bout termine avec un dernier verset qui trouve dans Deutéronome, verset 31, verset 6. Il dit, fortifiez-vous et prenez courage. N'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés devant eux, c'est-à-dire devant l'ennemi. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas. Tu peux dire sa parole-là au peuple d'Israël. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Frères et sœurs en Christ, Dieu y apporte sa protection dans son peuple. Et aujourd'hui, nous sommes son peuple. Nous aussi. À travers le sacrifice parfait de notre Seigneur Jésus. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes un peuple élu. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes un peuple qui met nous à part. Un pied de neuf, frères et sœurs en Christ. Et me rappelle un petit bout encore dans l'Exode, chapitre 12, quand Dieu t'envoie l'ange de la mort passer. Hein? Dit, tu protèges ce peuple. Si Jésus comme ça, tu es bananio, prends sa dissent-là, mets-le l'intérieur de la porte, dans ce ban poteau. Et quand l'ange de la mort passer, il n'y a pas pour toutes personnes que Dieu. Parce qu'il est là, l'ange de la mort, situé tout bas le premier-né des peuples égyptiens. Vous trouvez, Dieu, il protège son peuple. La protection se trouve auprès de Dieu. Pas dans l'horoscope, pas dans banque de vin. La protection se trouve auprès de Dieu, frères et sœurs en Christ. Il se peut qu'il te passe par un moment difficile. Il se peut qu'il te peut faire face à la maladie. Il se peut qu'il te foyer et en dessous. Il se peut qu'il te la famille peut battre de l'aile. Il se peut qu'il te ta relation avec ton conjoint est dans difficulté. Mais cherche la face de Dieu. Cherche la protection de Dieu. Et ce Dieu-là, il peut apporter toi ce l'aide. Ce Dieu-là, il peut apporter la délivrance. Ce Dieu-là, c'est un Dieu d'unité, il y a un Dieu d'amour, il y a un Dieu de paix. Pas à l'autre, ce qui te peut viser dans un problème qui t'a été, toi à l'autre ça ailleurs, toi à l'autre, un docteur sans soulier, toi à consulter l'horoscope. Consulter ton bon Dieu, consulter la parole de Dieu. Dieu Seigneur, dans cette situation-là, qui te peut dire à moi? Montrez-moi, Seigneur. Frères et sœurs en Christ, ce soir, c'est ça, mon exhortation. Cherche-les de tous tes cœurs. Cherche la protection de Dieu. Fais-lui confiance dans toutes les situations, frères et sœurs en Christ. Frères et sœurs, si mon pécara dit ça avec foi, avec confiance, c'est par expérience. Mon carapan passe comment je peux passer, mon problème est différent, mon situation est différente. Mais chacun de nous, parfois, nos situations nous trouvent comme une montagne, nous trouvent comme une Goliath. Mais ça Goliath-là, rappelle-toi David qui te dit, moi, avance contre toi au nom de l'Éternel. Sa montagne-là, Jésus dit comme ça, si tu la foi une grosse la remoutante, tu peux dire sa montagne-là, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, qui grandit à toi la foi. Est-ce qu'il te croit dans sa l'Éternel Dieu-là? Ce soir, frères et sœurs en Christ, moi, après, répondre tous eux. Chacun de nous nous répondre pour nous-mêmes et me prier qu'ils trouvent la bonne réponse, je trouve le bon chemin qui est Dieu lui-même. Jésus nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Alors, frères et sœurs en Christ, faire confiance à ce Dieu dans n'importe quelle situation. Ça bon Dieu là lui-même pour protéger les autres. Quand tu peux passer un moment difficile dans ton lieu de travail, tu peux gagner une persécution, tu peux gagner l'oppression. Mais ça bon Dieu là, il y a toi dans cette situation-là. Tout ton regard vers lui paraît comme Meshach, Sadrach et Abednego. Amen. Prions le Seigneur. Papa, ce soir, moi, je te remercie. Merci pour ta parole, Seigneur. Comme le psaume 119, verset 105, il dit, ta parole, il y a de la lampe à nos pieds, il y a de la lumière dans nos sentiers.
Seigneur, ce soir, ta parole dit claire et nette, dit révèle-nous, Seigneur, en qui nous besoin faire confiance, en qui nous besoin chercher la protection. La protection vient de toi, de ta main divine, Seigneur, mon Dieu, de ta main puissante, Seigneur. Seigneur, mon prier qui ce soir, Seigneur, mon bon frère, mon bon soeur, Seigneur, qui peut avoir une bonne requête ce soir, Seigneur, mon Dieu. Je te fais ta confiance, Seigneur, quand nous peut intercède auprès de toi, pour eux, Seigneur, mon Dieu. Quand nous pouvons tenir nous à la brèche, Seigneur, mon Dieu, devant toi, papa. Oh, mon Dieu, ce soir, c'est mon cri, ce soir. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci, Pasteur Lula. Alléluia. Merci pour la parole de Dieu. Et c'est tout l'exemple. Et nous avons dit très courageux de la part de ces trois compagnons de Daniel. Alléluia. Et c'est ça que Dieu appelle nous, qui nous capable d'être courageux devant l'adversité, devant quand on peut mettre à l'épreuve nous la foi. Alléluia. Et comment la parole de Dieu nous dit merci, merci. Et vraiment qui nous capable d'appliquer cette parole dans la vie. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, nous rends-toi gloire et nous connais que tu es un Dieu vraiment et comment tu es un Dieu qui protège et tu es un Dieu aussi qui agit dans la vie. Et quand nous faisons ta confiance, Seigneur Dieu, on lève devant toi, Seigneur Dieu, comment Joanne Pédeman, vraiment avec la famille, nous prier pour Stéphanie, nous prier, Seigneur, que toi te mettes de la main lourde, puissante. De la main puissante, Seigneur, qui guérit, qui libère. Oui, Seigneur. Et toi-même, tu dis à nous, qui nous a humilié nous devant de la main puissante. Oui, Seigneur, quand autant convenable, toi-même qui peux lève nous. Et me prier, Seigneur, ensemble avec tous ceux qui peuvent prier ensemble avec moi ce soir sur cette plateforme, aussi à travers le monde et à travers et dans Alain Maurice, tous tes serviteurs, tous tes servantes, tous tes enfants. Oui, Seigneur, notre Dieu, qui peut prier. Qui n'a codé pour demander la faveur de la faveur pour Stéphanie, Seigneur Dieu. Nous prions pour une restauration totale. Nous prions pour qu'il te libère et que toi, Seigneur Dieu, pour toute la grâce, Seigneur Dieu, te faire, et, Seigneur, toi, te connais qui les peut besoin. Oui, Seigneur, notre Dieu, et pour toute la grâce, Seigneur, et te libère, te guérit, Seigneur Dieu. Et nous fais ta confiance, Seigneur Dieu. Alléluia. Et ce soir, Seigneur, nous accordons ensemble, Seigneur Dieu. Alléluia. Entends-nous la prière, Seigneur Dieu. Entends-nous crier, Seigneur. Et entends-nous crier même de Stéphanie. Et là, quand il peut souffrir, quand il peut passer dans un moment difficile, mais toi, tu es un Dieu qui sonde le cœur, toi qui connais tout, Seigneur Dieu. Alléluia. Et notre Dieu, même depuis tous les ciels, te trône, te trouve tous nos problèmes. Et te trouve problème, Stéphanie, Seigneur Dieu. Et nous réclamons ta faveur, ta la grâce, Seigneur, l'audit, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur. Ne lève-les à toi. Ne lève-les à toi, Seigneur Dieu. Saint-Esprit, qui doit te prendre contrôle de cette situation, tu connais. Et dans qui partit sur l'écho, pas bien. Qui pape bien, Seigneur Dieu, et Saint-Esprit agir, qui m'a toi te trouve bon, Seigneur Dieu. Qui, dans toutes ces choses, nous trouve ton nom qui est élevé, Seigneur. Oui, ton nom qui peut être glorifié, Seigneur. Ton nom qui peut être exalté, Seigneur. Ton nom qui peut être loué, Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous prions toi, Seigneur Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, alléluia. Merci, Seigneur. Merci de la grâce, Seigneur. Et vraiment aussi, moi, élève et monsieur Margaret devant toi, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur, qui demande de prier pour lui. Comment ce l'estomac peut faire mal, Seigneur, avec ce traitement qui vient, Seigneur Dieu. Seigneur, agis, Seigneur. Manifeste de la grâce envers lui, Seigneur. Et qui vraiment, Seigneur, est capable vraiment de mettre une fin totale de sa maladie-là, sur la vie. Tu te délivrer de tout ça stress-là. Te délivrer de tout ça, oui, Seigneur, traumatisme de la maladie, Seigneur Dieu. Oh, Ramakabashina, Baraba. Et qui aussi te libère sur la famille, Seigneur, sur ce mari, sur mes enfants.
Ramakabashi Naparaba. Mets tout cela devant toi, Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur. Et oui, Seigneur, aussi, oui, Seigneur Dieu, tous ceux qui capables passent dans un moment difficile dans le travail, oui, Seigneur Dieu, ou bien qui en a pour répondre, oui, Seigneur, papa, qui, comment pour devant, oui, Seigneur, ben ceux qui peut-être opposés, peut opposer dans le travail, mais me demande toi, Seigneur Dieu, qui toi, tu interviens. Moi, lève tout ça là à toi, Seigneur Dieu. Et nous accorder, te trouve sa maman qui demande prier. Te trouve, oui, Seigneur, cette fille qui demande prier pour lui. Parce qu'il dit, il réalise qu'il sent toi, oui, Seigneur, pas sans pour sa propre faute, mais pour toi, Seigneur Dieu, qu'il est plus que vainqueur, Seigneur. Oui, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Allez, te mets à nous, recommande nous sauve à toi et mets en nous ta confiance et te pour agir, Seigneur. Alléluia. Nous prions toi, Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Et Seigneur, nous demandons toi aussi, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur, alléluia. Nous demandons toi, Seigneur, pour prier aussi pour Vina, qui péchait son travail. Oh oui, Seigneur. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Et nous connaissons qui Vina, Seigneur. Oui, Seigneur, tout ce qui se nécessitait. Comment dit contre toi, Seigneur Dieu. Nous demandons toi, Seigneur, qui toi te révèle ton grand amour, ton plan parfait qui te n'a pour lui. Oui, Seigneur, alléluia. Oui, Seigneur, qui n'est pas pour paniquer dans une situation, Seigneur. Mais, Seigneur, toi, dans les temps qu'il besoin, Seigneur Dieu, de pour agir sur la vie et pour délivrer totalement, Seigneur. Oramakabashin, bleed, bisanta, barabashin, branda, baraba. Oramakablu, yelid, bisanta, barabaraba. Nous prions toi, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Alléluia, Seigneur. Oui, Seigneur, nous accorder aussi avec Patrick, Seigneur, qui demande, qui remercie, alléluia, le Seigneur pour toutes les prières, oui, Seigneur, qui finit donner, Seigneur, et lui demande pour prier pour qui, oui, Seigneur, qui, alléluia, la moelle, oui, Seigneur, alléluia, kalabashin, dabalé, de bisanda, baraba, oui, Seigneur, notre Dieu. Oui, Seigneur, pour que la moelle de Patrick l'ipka produire, l'ipproduire suffisamment de sang. Oui, Seigneur, de ce plaquette, Seigneur Dieu. Alléluia. Non, rien n'est possible à toi, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur, nous élève tout ça là, Seigneur, devant toi. Tu aimes te dire dans ta parole, dans Hébreux chapitre 4 et le verset 12, qui te parole, il y a une épée à double tranchante quelconque, Seigneur. Oui, Seigneur, qui pénètre, Seigneur. Oui, Seigneur, même jointure et moelle, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Oh, oui, Seigneur, ce soir, Seigneur Dieu, nous demande-toi qui te parole est pénétrée, qui m'a te dit dans le psaume 107, verset 20, qui t'a envoyé ta parole et ta parole guérit. T'a envoyé ta parole retient-nous de la fausse, Seigneur Dieu. Alléluia. Seigneur, nous pouvons continuer à témoigner, nous pouvons continuer à dire, Seigneur. Oui, Seigneur, qui te guérit, même cancer, Seigneur. Tu guéris ben personne, Seigneur, qui gagne l'UCMI, Seigneur. Oui, te montrer, dit, Seigneur. Te n'agir, Seigneur, comme ça, Seigneur. Et te pas agir encore, Seigneur. Alléluia. Oh, Ramakabaraba, Shinde, Blid, Bissanda, Baraba. Louange à toi, la gloire à toi, l'honneur à toi, la puissance à toi. Oh, Ramakablu, Yerbishanda, Baraba. Oh, Ramakablu, Yelid, Bissanda, Baraba. Oh, Ramakablu, Yelid, Shanta, Baraba, Kanabarabarabaraba. Oh, Ramakablu, Yelid, Nabarabaraba, Shinde, Baraba. Au nom de Jésus, Seigneur. Oui, Seigneur, mette la main, Lord, Seigneur. Et non, rien n'est possible, Seigneur. Oui, Seigneur, tu as la capacité, toi-même qui donne nous la moelle, toi-même qui donne nous ça les œufs là, toi-même qui donne nous ça disant là, Seigneur, toi-même qui crée nous comme ça, Seigneur Dieu, et toi, tu es le meilleur médecin. Oui, Seigneur, alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Il est vrai, il y a un spécialiste dans le monde. Il y a un bon docteur dans le monde, Seigneur. Oui, Seigneur Dieu, mais toujours de même, limité, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur, alléluia. Je te limite, Seigneur. Oui, mais demande-toi, Seigneur, qui toi, Seigneur. Tout ce qui, oui, Seigneur Dieu, alléluia, apporte la grâce, qui te connaît, vraiment, nous connaît l'homme pas capable de faire, Seigneur. Mais nous connaît toi, Seigneur Dieu. Tu es un Dieu qui n'a rien possible à toi et te libérer, te guérir, Seigneur. Et ce soir, Seigneur, nous prions aussi, Seigneur, alléluia. Oui, Seigneur, alléluia, qui nous prions pour David. Et oui, Seigneur, alléluia, qui n'a pas de douleur.
et dans ce, à la poitrine et aussi les faibles. Et nous prier toi, Seigneur Dieu, alléluia, et qui les faibles et tristes, Seigneur, et nous élève-lui devant toi, Seigneur. De celui qui guérit, toi, Seigneur, de celui qui délivrait. Nous élève Patrick, nous élève David devant toi. Nous élève-lui, Seigneur Dieu, et de la main puissante qui pose sa l'estomac, qui pose l'eau du Seigneur, qui peut tous la vie ce soir, qui tous la vie sur les côtes, Seigneur, total. Oui, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, totalement, Seigneur, et guéri totalement, Seigneur. Ramakabashin, blinda barabara barabara barabashin, barabara. Ramakaluya, lady shanda barabaraba. Ramakaluya, de bishanta barabaraba. Seigneur, nous prions toi, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, alléluia. Et nous prions, Seigneur, alléluia, qui aussi pour Kavita, Seigneur Dieu, alléluia, qui peut demander de prier pour ce, oui, Seigneur, pour ce mes enfants, Seigneur, pour ce la famille, Seigneur, alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Nous élève Kavita, nous élève, oui, Seigneur, et c'est tout, ce la famille, ce détipis, Seigneur, ce détipis, Seigneur, ce dé, Seigneur, petit, Seigneur, alléluia, ce dé, oui, Seigneur, notre Dieu, alléluia, tout, il y en a ce détipis, Seigneur, et te bénis aussi ce ben petits enfants, Seigneur, qui tu es là, Seigneur, oui, Seigneur, alléluia, et comment, cavita, Seigneur Dieu, oui, Seigneur, que même sur la santé, Seigneur, demande-toi, protège-les, aide-les, Seigneur, aussi pour rapprocher de toi, Seigneur Dieu, oui, Seigneur, et comment on y demande prier pour, oui, Seigneur, oui, Seigneur, aussi, Kylian, Seigneur Dieu, et comment se détipit, Seigneur, notre Dieu, et nous demande-toi, Seigneur, qui vraiment te bénit, Kevin, Seigneur, te bénit, oui, Seigneur, alléluia, Pascal, te bénis les enfants, oui, Seigneur, alléluia, au nom puissant de Jésus, et nous rends-toi gloire, Seigneur, et même ces enfants, Karine, pour marier, Seigneur, nous demande-toi la grâce, Seigneur, te faveur, Seigneur Dieu, qui toi-même, Seigneur, qui pour prépare tout, oui, Seigneur, alléluia, oui, Seigneur, notre Dieu, qui se pas pour manquer, Seigneur, et qui vraiment, Seigneur, tout pour parce que mon besoin, Seigneur, porte la grâce, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Nous élèves ces mêmes enfants-là à toi, Seigneur Dieu, et qui vraiment te protège à des petits-là, Seigneur. Oui, Seigneur, petit, petit, Seigneur, jusqu'à petit, Seigneur. Oui, Seigneur, notre Dieu, le plus grandi, Seigneur, nous demandons préserve de tout mal, Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur, au nom de Jésus. Et Seigneur, nous prions aussi, Seigneur, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous prions aussi comment à Tine, Seigneur, puis demande, oui, pour Eddie, Seigneur, et aussi pour ce Lisier, Seigneur, et qui est capable d'être guéri, Seigneur. Non, rien possible à toi. Oui, Seigneur Dieu, quel que soit ce problème, quel que soit le problème qu'il y a dans ce Lisier, oui, Seigneur, notre Dieu, pour toute la main puissante, Dieu. Comment te parole, même entre nous, ben avec, tu viens vers toi. Oui, Seigneur Dieu. Et Matthieu chapitre 20, Seigneur. Écoute là, Seigneur. Et oui, Seigneur, tu es toujours lisier. Tu es toujours, Seigneur. Et ce finit d'être guéri. Je te retrouve clair, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur. Et là, nous par contre, qui problème qu'il y a. Oui, Seigneur Dieu. Mais tu es un Dieu qui te la met puissante, tous ce lisier. Et qui vraiment te car guéri de ce lisier complètement. Dans le nom de Jésus. Et nous pensons aussi à ce moment quand on peut prier pour ben ceux qui n'ont il y a un problème de lisier. Nous prions à tous à même du monde qui peut-être peine capable d'avoir ce message. Oui, Seigneur, qui peut-être dans un coin, je ne pas connaître, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur, je peux avoir le moyen qui a besoin, Seigneur. L'internet chez eux, Seigneur. Mais nous demandons toi, Seigneur, d'aide à intervenir toute la vie. Et qui vraiment, Seigneur, alléluia, est capable de garder toujours les guerres, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus, Seigneur. Nous prions toi, Seigneur, alléluia. Oh oui, Seigneur, toute la gloire, tout l'honneur, toute la puissance à toi, toute l'adoration à toi, Seigneur. Kuramak bloye led visanda baraba. Uramak bled visanda baraba baraba led visanda baraba bled visanda baraba. Uramak bloye led shanda baraba baraba. Et nous prions toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Et nous prions contre la vraiment qui et aussi, Seigneur, comment chier les pédéman. Priez, oui, Seigneur, pour Lisby, Seigneur. Priez pour Nathalie, Seigneur. Priez pour Mario, Seigneur. Priez aussi, oui, c'est qui souffre, Seigneur Dieu. Nous demandons, nous lève à toi, Seigneur, ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, c'est toi qui libérais, c'est toi qui guéris. Fais grâce, Seigneur Dieu. Oui, te fais cette grâce, Seigneur. Pour toute la main puissante, Seigneur Dieu. Nous prions toi, Seigneur. Au Ramakabashen, au nom de Jésus. Et Seigneur, nous prions aussi, Seigneur, alléluia. Oui, Seigneur, notre Dieu, pour Marie
Et oui, Seigneur, qui demande prier, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Et aussi, merci, Seigneur, merci. Et Atine aussi qui demande encore prier pour, oui, Seigneur, ce petit, mes enfants, des Joachim, Seigneur. Et aussi, et pour la santé, Seigneur Dieu. Nous prions toi, Seigneur Dieu, qui toi te manifeste, toi. Quel que soit, qui Seigneur, tu me dis, laissez venir à moi les petits-enfants, tu n'imposes les mains, tu me bénis, etc. Et qui vraiment, Seigneur, de la main puissante, car tu poses aux autres, mes enfants-là, et qui te guérit, les Seigneur, totalement. Porte la grâce, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous prions toi. Et nous prions aussi, Seigneur, alléluia, oui, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous prions pour Marie qui demande, prier, alléluia, prier, merci, Seigneur. Alléluia. Qui peut demander prier pour les enfants. Et gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et alléluia. Afin qu'il est bien malade, Seigneur Dieu. Nous prions pour Aaron, Seigneur. Aaron, Seigneur, qui est bien malade et qui peut gagner la fièvre. Seigneur, notre Dieu, écoute. Et ensemble avec Marie, tu peux écouter nous la prière, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur Dieu. Et nous élève, Seigneur. Et Adrien devant toi, Seigneur. Nous élève, Seigneur. Et oui, Seigneur, nous élève Aaron devant toi, Seigneur. Nous élève, Seigneur, notre Dieu. Alléluia, pour toute la grâce, Seigneur. Oui, Seigneur, notre Dieu. Écoute là, tu élèves ces enfants-là devant toi, Seigneur Dieu. Écoute là, Marie, Seigneur Dieu. Il est vraiment capable de trouver toute la grâce, il peut tout faveur, Seigneur. Comment ici, il peut demander ça la prière là. Oui, Seigneur. Et nous demande-toi, Seigneur, agir, Seigneur. Et peut-être il y a aussi les autres enfants qui dans la même situation que Aaron, Seigneur Dieu. Nous demandons toi intervenir dans la vie, Seigneur, et agir, et délivrer les autres, bénis les autres, Seigneur, protéger les autres, préserver les autres la vie, Seigneur. Oui, contre tout danger, contre toute la fièvre, contre tout virus, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous prier, Seigneur, encore, et m'accorder, alléluia, merci Seigneur, alléluia, avec Marie, et aussi qui peut demander de prier sur la famille, Seigneur, pour toute famille, Seigneur, aussi pour toute famille. Oui, Seigneur Dieu, et nous réaliser, merci Seigneur, qui, Seigneur, notre Dieu, qui Marie, les réaliser, qui aussi, il y a d'autres personnes qui peuvent souffrir dans ce monde, qui est autour de nous, peut-être nous pas retrouver. Oui, Seigneur, peut-être dans les autres pays, en tout cas, il y a un pays peut-être pire, peut-être dans l'endroit le pire, Seigneur, ce qui nous peut entendre, Seigneur Dieu. Mais nous demandons tout frapper, nous demandons tout la grâce, nous demandons tout miséricorde, nous demandons de compassion, Seigneur. Louange à toi, la gloire à toi, l'honneur à toi, la puissance à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Et ce soir, Seigneur, oui, Seigneur, alléluia, que tu es capable de guérir tout le monde qui a un problème, qui est malade, qui souffre dans un lisier, dans une oreille, Seigneur, dans un cerveau, Seigneur. Oui, Seigneur, et ce soir, vous pensez, t'es dit, Seigneur, écoute là, Seigneur, en tout cas, rétablis des jours en jour, Seigneur, fais-les retrouver sur habilité, fais-les retrouver, Seigneur, sur la santé, fais-les retrouver, Seigneur, ce courage, Seigneur Dieu, qui toi te donne, Seigneur Dieu, et pas toute la grâce, pas tout l'amour, Seigneur Dieu, au nom de Jésus, Seigneur, afin qu'il est capable, retrouve-les, Seigneur, vigne de ta présence, Seigneur. Alléluia. Au Ramakabashin de Blé de Bissanda Baraba. Au nom puissant de Jésus, Seigneur. Nous prions toi. À toi la gloire. À toi l'honneur. L'adoration à toi, Seigneur. Merci pour toute la grâce, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen, Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous continuons à prier, nous continuons à accorder. Alléluia. 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 Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Alléluia. Rosa caramante kere sata caramante. Yete caramanta rasata caramante kere bere. Yota carasata caramante kere bere carasata caramanta. Alléluia. Papa, ce soir, nous accorder, Seigneur, pour élève Mamie Ginette devant toi, Seigneur Dieu. Papa, tu connais cette semaine-ci qui, comment on est tombé, Seigneur. Mais papa, non, vie, élève-lui devant toi, Seigneur. Nous élève-lui devant ton trône de grâce, nous demande-toi, te pose la main puissante, Seigneur. La Kotlin fin blessée, la Kotlin fin gai douleur, Seigneur, ban coup. Seigneur, nous croyons en ta parole, Seigneur Dieu, qui t'envoie ta parole ce soir, Seigneur. Que ta parole, Seigneur Dieu, Seigneur, les rencontre, Seigneur Dieu, qu'il y prend ta parole, Seigneur, qu'il y prend son guérison. Seigneur, que ta parole, les reach,
Tu rehommes là que tu étais, Seigneur. Que ta parole, Seigneur, ce soir, les recevoir, les Seigneur, et qu'il y ait un miracle qui opère. Qui tout douleur, Seigneur, tout un coup qui vient gagner. Ce soir, au nom de Jésus, nous, Seigneur Dieu, we speak healing. Seigneur, mon cœur, Seigneur, ta guérison. Je tout un parti que vient gagner, coup, Seigneur Dieu. Papa, au nom de Jésus. Nous believe, Seigneur, for a miracle, que ce soit un miracle qui opérait dans le corps de Mamie Ginette. Seigneur, tu connais, Seigneur, là avec ce douleur, mais nous croyons aussi que tu es un Dieu de miracles, tu es un Dieu qui réparait, tu es un Dieu qui restaurait. Tu restaures tout ce manus, Seigneur Dieu, tout ce léseux, Seigneur Dieu, que tu aies coup, qu'elle soit guérie au nom de Jésus. Seigneur, nous continuons de prier aussi pour Papy Claude, Seigneur Dieu. Papa, nous prions, nous élève-lui devant votre trône de grâce. Seigneur, te connais pour ce traitement, Seigneur, qu'il y peut faire. Seigneur, nous prions, Seigneur, qu'il doit agir, tu intervenir dans cela vie. Seigneur, qu'il te donne cette foi, Seigneur. C'est la foi qu'il y pour croire en toi, qu'il est un Dieu de miracle. Cette foi, Seigneur Dieu, qu'il y pour croire qu'il est un Dieu qui compte en lui et qui te peut intervenir, Seigneur Dieu, et qui doit avec lui dans tout, Seigneur, tout ce bon traitement qu'il peut faire. Seigneur, qu'il doit avec lui et te donne lui et supernatural strength. Seigneur, nous élève Mamie Rose devant toi, Seigneur, qui reste toujours aux côtés de Papy Claude, Seigneur Dieu. Mon prier te donne la force, le courage. Et Seigneur, aide la paix qui vient de toi, Seigneur Dieu, qui, Seigneur, te avec eux, Seigneur, dans cette épreuve, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions aussi, Seigneur, pour Sébastien et Christelle, qui demandaient, Seigneur Dieu, qui, afin que le Saint-Esprit capable accompagne eux dans leurs études. Seigneur, nous élève ces deux jeunes devant toi, Seigneur Dieu, que vraiment je te demande, Seigneur Dieu, qu'ils aient réalisé que je dépanne de toi, Seigneur Dieu, qui te l'a avec eux, qui est capable, Seigneur Dieu, faire appel à toi, Saint-Esprit. Nous demande-toi, Seigneur, te donne le désir de le cœur. Seigneur, comment je peux demander pour qui le Saint-Esprit accompagne eux dans leurs études. Seigneur, nous prions, nous accorder avec eux, Seigneur Dieu, qui vraiment te pour avec eux, Seigneur, pendant toute cette période d'études, Seigneur Dieu, toi avec eux, te pour guider eux, te pour vraiment donner eux une mémoire, une plus grande capacité dans cette mémoire et qui, Seigneur Dieu, te pour vraiment toujours, Seigneur, faire cette grâce, Papa, dans cette étude. Seigneur, nous prions aussi, Seigneur Dieu, pour nous, ensemble, nous rendons-toi grâce avec Marie-Louise, Seigneur Dieu, que tu vraiment aies envie, rends-toi grâce, je t'en merci pour Jacques, Seigneur, sur l'opération qui est bien passée. Seigneur, ce soir, on en vit ensemble avec Marie-Louise pour rendre-toi grâce, Papa. Que nous réaliser que tu es à l'œuvre, que tu es là, Seigneur, pendant ce moment que Jacques il n'a opéré, Seigneur, que tu es là. Vraiment, nous prier, Seigneur, ta main bénie soit sur lui et te continue, Seigneur Dieu, pendant son convalescence, Seigneur Dieu, toi avec lui et qui vraiment les peut récupérer très vite. Seigneur, nous prions la grâce spéciale dans la vie, de Jacques et aussi dans la vie de Marie-Louise, au nom de Jésus. Seigneur, nous prions aussi pour Marie-Lily, nous accorder avec Marie-Lane, pour Marie-Lily, pour ses jambes, Seigneur, afin qu'elle puisse bien marcher. Seigneur, nous continuons de prier, Seigneur, te poste la main sur la jambe, te vraiment renforcer ce bon muscle, ce bon la force qui est dans la jambe, Seigneur Dieu, ce bon la jambe qui peut engourdir, qui raidit et peut faire mal. Seigneur, au nom de Jésus ce soir, comment ta parole, Seigneur Dieu, il vient d'être envoyée ce soir. Papa, comment on écoute ta parole ce soir, nous prions que ta parole, Seigneur Dieu, touche le cœur de Marie-Lily et qui vraiment, Seigneur Dieu, tu as un miracle qui opérait dans cela jambe. Que tout ça va en engourdir là. Tu, Seigneur Dieu, tu as une douleur qui est là dans cela jambe. Papa, au nom de Jésus, nous commandons tu douleur, tu engourdis, Seigneur, pour quitter les jambes de Marie-Lily dans le nom de Jésus. Nous commandons, Seigneur, tu as une douleur, allez, dans le nom de Jésus. Seigneur, we just speak your healing. We speak strength, Seigneur Dieu, dans les jambes de Marie-Lily. Seigneur, nous demande-toi, Papa, qui te répare, Seigneur Dieu, sans la jambe-là, que tu douleur aller au nom de Jésus. Te renforcer tout ce bon muscle, tout ce bon, Seigneur Dieu, ligament. Seigneur, que sans la jambe-là, Seigneur, il regagne sur la force et que Marie-Lily capable marche bien dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions aussi pour Conchita et Pascal, Seigneur Dieu. Papa, comment Pascal nous demandait, Seigneur, pour prier pour eux, Seigneur Dieu, qui se pégait la grippe et mal à la gorge. Seigneur, ce soir, nous prions, Seigneur. Nous venons compte, Seigneur, sur la grippe-là. Toute infection, tout virus qui est capable, Seigneur, présent dans le corps de Pascal et de Conchita. Seigneur, nous prends l'autorité ce soir. Au nom de Jésus, nous commande, Seigneur, ce virus-là. Nous commande cette infection, Seigneur Dieu. Allez dans le nom de Jésus. And we speak healing. Seigneur, nous prononce
ta guérison dans le corps de Conchita. Je prononce ta guérison dans le corps, dans la vie de Pascal. Seigneur, que ce couple, Seigneur, soit en bonne santé. Seigneur, ce soir, Seigneur, nous accorder avec Pascal, nous accorder avec Conchita ce soir, Seigneur Dieu. Papa te dire qu'en deux ou trois, il y a accordé dans la terre. L'on n'importe qui te se répond à cette prière. Ce soir, moi, accorder avec eux, Seigneur Dieu. Que là, Seigneur Dieu, avec toute l'équipe, avec Pascal et Conchita, Seigneur Dieu, nous accorder, Seigneur Dieu, de prier que, Seigneur Dieu, que cette fièvre y allait au nom de Jésus. Que cette fièvre les quitte le corps de Conchita et de Pascal dans le nom de Jésus. And we speak healing right now. We speak healing that we receive a supernatural strength. Et Seigneur, nous prions que ce mal à la gorge, Seigneur Dieu, quitte au nom de Jésus. Au nom de Jésus. I just speak healing right now. I speak healing. Seigneur, comment te parole, Seigneur Dieu? Comment te dire dans ta parole, Seigneur Dieu? That you sent your word and you heal. Seigneur Dieu, nous prions, Seigneur Dieu, that healing comes dans la vie de Pascal et de Conchita. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous dis-toi, nous rends ta grâce pour ce miracle en opération ce soir dans notre vie. Là que tu étais, Seigneur Dieu, qu'il y ait une onction qui coulait, et une puissance qui tombe dans notre vie, Seigneur. Que cette onction lui brise toute maladie. Toute la fièvre, allez au nom de Jésus. Tout mal à la gorge, allez au nom de Jésus. Que cette onction lui brise tout, maintenant même, là que tu étais. Merci, Papa, pour ce miracle en opération. Merci pour la guérison divine qui peut opérer dans notre vie ce soir. Papa, nous prions aussi pour Nishi, Seigneur, pour la maman de Nishi, Seigneur, qui a beaucoup de douleur dans ce band joint, les bras, et Seigneur Dieu, de ce genou. Seigneur, nous prions ce soir, Seigneur Dieu. Que vraiment, Seigneur, tu ban douleur de joint, Seigneur Dieu, l'y aller au nom de Jésus. We speak healing tonight. Seigneur, nous croyons que tu es un Dieu de miracle, tu es un Dieu qui guérit. Ce soir, pose-toi la main puissante, ta main guérissante, Seigneur Dieu, sur la maman de Nishi. Au nom de Jésus, Seigneur, que la maman de Nishi, Seigneur, soit guérie ce soir. Parce que ce soir, Seigneur, nous connaissons, je n'écoute tes paroles, je n'entends tes paroles, Seigneur. Et ta parole, in fine, arrive jusqu'à leur maison, jusqu'à dans l'équerre, et qu'ils recevront cette guérison. Papa, nous disons merci, que vraiment ton amour, Seigneur, de la paix te déverse chez la maman de Nishi, au nom de Jésus, et qu'elle soit en bonne santé. Seigneur, nous prions aussi pour Ken, Seigneur. Nous accordons avec Sandrine pour élève Ken devant toi, Seigneur Dieu, afin que Ken find his path, comme Sandrine demandait, Seigneur Dieu. Papa, nous prions ce soir ensemble avec Sandrine. Nous accordons, Seigneur Dieu, qui te touche, Ken. Au nom de Jésus, te touche, Seigneur Dieu, Ken. Seigneur, te connais dans quel état il était. Te connais, Seigneur, qui chemin il peut prendre. Mais ce soir, nous pouvons prier, Seigneur Dieu, qui vraiment est capable de trouver ce chemin de la vie. Ce chemin, Seigneur Dieu, qui vraiment apporte la vie, la restauration, Seigneur Dieu. Et Papa, nous prions que Ken, Seigneur, te touche sur l'équerre, te touche sur conscience, Seigneur Dieu. Qu'il y revienne à lui-même, Seigneur Dieu, comment le Fils prodigue, Seigneur Dieu, il revienne à lui-même et il retourne la case, Papa. Seigneur, nous prions qu'il te touche, Ken, Seigneur, afin qu'il y revienne à lui-même et te touche sur l'équerre, qui vraiment sur la vie lui appartenait à toi. Seigneur, ce soir, nous vraiment élève-lui devant ton trône de grâce. Étends ta main sur la vie de Ken, Seigneur, au nom de Jésus. Papa, nous prions aussi, Seigneur Dieu, pour, ensemble avec Shaina, Seigneur, qui vraiment, Seigneur, est dans l'équerre pour prier pour tous ceux qui souffrent, Seigneur Dieu, du problème cardiaque. Seigneur, c'est vrai, Seigneur Dieu. Nous entendons, Seigneur Dieu, beaucoup de personnes qui vraiment ont ce problème cardiaque. Mais Seigneur, ce soir, nous élève toutes ces personnes qui vraiment il a ce problème. Nous lève-le devant ton trône de grâce, Seigneur. Peut-être nous capables de connaître tout le monde, Seigneur Dieu, mais toi te connais, Seigneur. Mais ce soit ensemble, Seigneur, ensemble avec Shaina, nous envie élève toutes ces personnes, Seigneur Dieu, qui te répare, Seigneur Dieu, de l'équerre. Seigneur, tu ban artère qui nous bouchait, Seigneur. Que ce soir, Seigneur, tu ban artère qui débouchait au nom de Jésus. Seigneur, te touche, Seigneur, afin que vraiment another healing power flow in their body. Seigneur, que that healing power là, flow in their heart, flow in their veins. Et Seigneur, qui vraiment, Seigneur, ta main puissante est pour poser sur toutes ces personnes dans le nom de Jésus. Seigneur, nous continuons à prier pour Danny aussi, Seigneur Dieu. Papa, nous élève-lui devant toi, Seigneur Dieu. Papa, te connais sur la foi, Seigneur Dieu.
Tu connais, Seigneur Dieu, ce progrès en toi aussi, Seigneur Dieu. Papa, nous continuons les vies devant toi, afin qu'il sait qu'il t'aime commencer dans cela vie. Seigneur, nous connais te pour amener à l'accomplissement. Et Seigneur, nous croyons, Seigneur Dieu, qu'il y a un miracle qui opéré dans cela vie. Et Seigneur, que ces miracles, Seigneur, ces témoignages, pour apporter toute cela famille à toi, Seigneur. Que vraiment, pour ce désir, pour venir à toi, parce que je peux trouver un miracle dans la vie de Dani. Seigneur, nous continuons les vies devant toi. Nous prions que grace upon grace over her life. Seigneur, te connaisse, persévérance, Seigneur Dieu, que vraiment, il peut prier, demande pour prier pour sa maman aussi, Seigneur Dieu, qui te garde sa maman en bonne santé. Seigneur, te donne-lui de la force, Seigneur Dieu. Papa, sa maman qui prend les soins pendant des mois et des années, Seigneur Dieu. Mais ce soir, nous prions pour Marie-Jeu aussi, Seigneur Dieu. La maman de Dani, Seigneur, nous élève Marie-Jeu devant toi, Seigneur. You bless her, Lord. You bless her. Et Seigneur, que vraiment, Seigneur Dieu, te bénis-lui. Seigneur Dieu, te donne-lui, Seigneur, te redonne-lui de la force. Te renouvelle sur la force, Seigneur Dieu, dans ce corps, au nom de Jésus. Seigneur, nous prions aussi, Seigneur, pour la belle-mère de Stéphanie, Seigneur Dieu. Nous prions pour Lisette, Seigneur. Papa, nous élève Lisette devant toi, Seigneur Dieu. Papa, comment, Seigneur Stéphanie, me dit, Seigneur Dieu, ce que sa belle-mère, Seigneur Lisette, les sentit sur les cœurs battre très fort, Seigneur, quand elle se repose. Seigneur, toi, tu connais exactement le problème. Tu connais exactement, Seigneur Dieu, que, Seigneur Dieu, ce battement de cœur, Seigneur, qui parle fort, Seigneur Dieu, où est la racine? Mais ce soir, Seigneur, we pray for your healing power to touch her. Seigneur, that your healing power reach her tonight. Au nom de Jésus, Seigneur, moi, accorde avec Stéphanie pour élève sa belle-mère de votre trône de grâce. Tu touches-lui, Seigneur, la côté. Nous prions, Seigneur Dieu, qu'il y ait un miracle qui opère dans ce corps, dans ce cœur, Seigneur Dieu, et qu'il vraiment ait la paix, Seigneur, qui vienne de toi. Papa, nous prions aussi pour sa maman, Seigneur, la maman de Stéphanie, Seigneur Dieu, qui, Seigneur, te donne de la force, le courage, Seigneur Dieu, pour surveiller, Seigneur, ses petits-enfants. Papa, nous vraiment élève, Seigneur, la maman de Stéphanie devant toi, qui te fait les grâces, Seigneur Dieu, pour cet amour, Seigneur Dieu, le temps qu'il peut donner pour surveiller ce petit-enfant. Papa, nous prier, Seigneur, te donner la force, le courage, au nom de Jésus. Seigneur, nous prier aussi pour Hassan, qui demande, Seigneur Dieu, la guérison de ses yeux, pour qu'il puisse, Seigneur Dieu, que ses yeux, Seigneur, il est guéri complètement. Seigneur Dieu, papa, nous prier, te touche sa là. Seigneur, qui vraiment nous croit, Seigneur, tu es un Dieu qui guérit, tu es un Dieu qui restaure, tu restaures cela vu, tu restaures, Seigneur Dieu, tout problème qui est capable de gagner dans ce lisier, Seigneur Dieu. Papa, te touche-lui ce soir, te touche à scène, au nom de Jésus. Seigneur, que tout problème, lisier, lui disparaît ce soir, au nom de Jésus. We speak miracle to happen dans ce lisier, au nom de Jésus. Seigneur, nous prions aussi, Seigneur Dieu, pour Kathleen, Seigneur Dieu. Ensemble avec Annie, à la demande de Annie, Seigneur Dieu, nous élève Kathleen, Seigneur Dieu, devant le trône de grâce. Qui, Seigneur Kathleen, il regagne, Seigneur, une bronchite, et Seigneur, il est en traitement en ce moment. Et qu'au nom de Jésus, nous, ensemble avec Annie, Seigneur, nous accordons que Kathleen, au nom de Jésus, lui est guéri complètement, lui est restauré. Seigneur, que sa bronchite-là, lui quitte Kathleen au nom de Jésus. Me commande sa bronchite-là, allez au nom de Jésus. Seigneur, me prie, Seigneur, que ta main puissante, ta main guérissante, lui pose ce soir même, Seigneur, sur le bronche, Seigneur, sur le poumon, Seigneur, de Kathleen, Seigneur. Et nous demande-toi, Papa, dans le nom de Jésus, que Kathleen soit guérie et qu'elle reçoive sa guérison et sa restauration complète. Dans le nom de Jésus. Papa, nous te merci. Nous prions aussi, Seigneur, ensemble avec Marie-Lane, Seigneur. Nous élève Marie-Lise, Seigneur Dieu, devant toi, Seigneur. Nous élève-lui devant toi, nous prions pour sa cheville et sa jambe, Seigneur, gauche, à cause des varices. Seigneur, nous élève, Seigneur, à cause des varices qui, sur la jambe, les gonflaient, les enflaient, les fait mal. Mais Seigneur, nous prions, Seigneur, que ce soir, Seigneur Dieu, qui te touche. Touche-lui, Seigneur. Te touche sur la jambe, Seigneur. Que tout varice qui est là, Seigneur, au nom de Jésus. Quitte Marie-Lise. Seigneur, nous connais, Seigneur, t'es un Dieu. Qui, Seigneur Dieu, ta main n'est pas trop courte pour toucher Marie-Lise ce soir. Que le nom de Jésus qui est au-dessus, tout, Seigneur, est là-haut. Le nom de Jésus est là-haut, toute maladie. Que le nom de Jésus est là-haut, tout varice. Tout, Seigneur Dieu, toute douleur qui est capable d'être dans la chambre, Seigneur Dieu. Que ce nom, Seigneur, il est là où tout cela. Et Seigneur, nous prions pour un miracle qui
d'opérer dans les jambes, dans la vie de Marie-Lise ce soir. Seigneur, nous prions que la foi de Marie-Lise, Seigneur Dieu, Seigneur, ne serait-ce une grossière, une graine de moutarde, Seigneur Dieu, que cette foi, il y en a la capacité pour bouger cette montagne-là, pour bouger, Seigneur Dieu, sa douleur-là, qu'il est capable, Seigneur Dieu, commande sa douleur-là, sortie dans le nom de Jésus. Papa, nous te disons merci ce soir pour tout miracle en opération. Merci pour tout, Seigneur Dieu, qui toi l'œuvre dans la vie de tant de personnes. Et Seigneur, nous connais, nous crois, Seigneur, nous confiance en toi, qui tu es un Dieu qui guérit, tu es un Dieu qui agit, tu es un Dieu qui restaure, Seigneur, complètement, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Papa, nous continuons à approcher de ton trône de la grâce, Seigneur. Nous connais, Seigneur, tu es un bon Dieu qui l'écoute. Et tu es un bon Dieu qui répond, Seigneur. De commun accord avec tous mes bonnes femmes, mes bonnes soeurs, Seigneur mon Dieu. Toutes les requêtes qui peuvent rentrer, Seigneur, se sont levées vers toi, Seigneur mon Dieu. Papa, dans le nom de Jésus, moi lève salvège devant toi, Seigneur. Seigneur, salvège qui ne fait une chute, Seigneur, dans ce lieu de travail, Seigneur mon Dieu. À cause de cela, la jambe fut cassée en plusieurs morceaux. Et aussi, Seigneur, quand il a trouvé du sang caillé dans son estomac. Papa, moi lève, salvez là devant toi, Seigneur. Impose ta main puissante, Seigneur, sur cet enfant, Seigneur mon Dieu. Seigneur, te libère-lui de tout du sang caillé qui n'a pas venu dans son corps, Seigneur. Seigneur, te tire tout ce du sang caillé là, Seigneur. Il faut y aller en ton nom, Jésus-Christ. Et Seigneur, vous priez, Seigneur, l'opération qu'il a subie, Seigneur, pour cela, jambe, papa. Vous priez que ça, l'opération l'a bien passé, Seigneur. Et qu'il salvège pour regagner l'usage de ce pied, Seigneur, mon Dieu. Il pour pas remercier normal pour toute la grâce, Seigneur. Seigneur, pose ta main, Seigneur, sur cela, jambe, Seigneur, mon Dieu. Et moi, lève tous les médecins, les infirmières qui sont autour de lui, qui peuvent donner bon soin. Seigneur, ouvre l'intelligence de toute sagesse, Seigneur. Sois capable de nous salver, Seigneur, les soins qui lui visent, les soins adéquats, Seigneur, mon Dieu. Et me prier pour ce maman premier là, pour ce papa aussi, Seigneur. Seigneur, mette la paix dans notre cœur, Seigneur, rassure-nous, Seigneur, mon Dieu. Qu'ils soient capables de garder confiance en toi, Seigneur, en tout temps, Seigneur, mon Dieu. Oui, Seigneur Jésus. Me prier qu'il te la paix, qu'il demeure au sein de cette famille. Seigneur, continue à agir dans l'écho de salvage, Seigneur, me confesse la guérison totale, complète, Seigneur, là que salvage était à l'hôpital, papa. Oui, Seigneur, qui salvage trouve grâce et faveur, Seigneur, devant les médecins et les infirmiers, Seigneur, mon Dieu. Papa, ce soir, me prier pour Joseph et Marie, Seigneur, mon Dieu. Papa, te connais sa coupe là, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, qui te pose ta main puissante, le Joseph, Seigneur. Te guéris, Seigneur, de tout ban problème qu'il y a gagné au niveau de ce ligament, ce ban muscle, Seigneur. Seigneur, t'enlèves tout ban enflure, Seigneur. Te guéris, Joseph, Seigneur, mon Dieu. Oui, papa. Et Seigneur, me prier pour Marie aussi, te donner le courage, la force, Seigneur, la santé. Pour lui, car prends soin de son épouse, Seigneur, mon Dieu. Oui, papa. Moi, les autres vers toi, Seigneur. Mette la paix, l'amour, la joie dans les cœurs, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Papa, ce soir, moi, lève la famille Myrtille, Seigneur. Seigneur, cette famille, Seigneur, quitte la paix demeure au sein de cette famille, Seigneur. Vous priez, Seigneur, pour l'unité parfaite et complète, Seigneur, mon Dieu. Oui, Seigneur, vous priez pour le grand-père aussi, Seigneur. Papa, te bénis-lui, papa, te garde-lui en bonne santé, papa. Alléluia, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, qui doit intervenir au sein de cette famille, Seigneur, mon Dieu. Qui te la paix, y demeurer, Seigneur. Toi, le Dieu de l'unité, doit intervenir par ta main puissante, Seigneur, mon Dieu, au sein de cette famille. Seigneur, me prier pour Marie-Noël à la demande de Cécile, Seigneur. Seigneur, qui te pose de la main dans les corps de Marie-Noël, Seigneur. Depuis ce latin jusqu'à ce pouce du pied, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, qui Marie-Noël regagne l'usage de cela jambe, Seigneur, mon Dieu, de ce bas membre, de ce lico, Seigneur. Seigneur, tout handicap, quitte-les dans le nom de Jésus. Seigneur, ce soir, nous pouvons faire appel à toi, Jésus-Christ. Toi qui t'y guéris, ban paralysé. Toi qui guéris, ban aveugle. Te fin même ressuscite les morts, Seigneur, sur cette terre. Et Seigneur, te le même, te pas changer. Et ce soir, nous faire appel à toi pour Marie-Noël, Seigneur. Seigneur, déverse ton regard favorable au Marie-Noël, Seigneur. Seigneur, donne Marie-Noël, Seigneur, la capacité de se lever, Seigneur. Débloque tout ce nerf qui est capable de coincer, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, là, que la science n'a pas fait quelque chose, mais toi, tu es capable, Seigneur, mon Dieu. Quand ton nom, Jésus-Christ, il plie là-haut qui tout maladie. Ton nom, il plie là-haut qui tout handicap, Seigneur, mon Dieu, de tout paralysie, Seigneur.
Seigneur Jésus, libère Marie-Noëlle. Donne-lui l'usage de ce membre, de ce écho, Seigneur mon Dieu. Alléluia, Jésus. Seigneur, vous priez aussi pour Marie-Claire, Marianne, Seigneur mon Dieu, elle pose ta main puissante aux yeux, Seigneur. C'est des enfants, ça, Seigneur mon Dieu, me connaît un Dieu qui compte en eux, Seigneur. Seigneur, tu poses ta main guérissante aux yeux, Seigneur, la cause de tes. Papa, la demande de Dorothy, Seigneur, nous continuons à prier pour Eddie. Eddie qui se trouve dans l'ICU, Seigneur mon Dieu. Papa, me place Eddie devant toi, Seigneur. Pose ta main puissante, Seigneur, le cerveau, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur, toi, dépose ta main puissante, ta main guérissante, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur, qui te prend le contrôle aussi du battement de son cœur, Seigneur, qui se l'équerre, capable de battre normal, Seigneur mon Dieu. Oui, Papa. Et aussi, nous prier pour te prendre tout le contrôle au niveau de ce tension artériel, Seigneur mon Dieu. Papa, le corps d'Eddie n'a pas de secret pour toi, Seigneur. Ce corps qui toi t'a créé, Seigneur. Qui, Seigneur, te met un lot total dans les corps d'Eddie, Seigneur, mon Dieu. Et qui tout ce ban membre, ce ban l'organe capable de fonctionner normal, Seigneur, mon Dieu. Ce soir, Seigneur, de comme un accord, on a accordé avec toute la famille, Seigneur, d'Eddie, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, déverse ton regard favorable au Eddie, la côte qui était dans ICU, Seigneur. Et nous prions pour tous ceux qui sont malades dans cette salle, Seigneur, mon Dieu. Tous ceux qui sont malades, Seigneur, mon Dieu, nous les autres vers toi, Seigneur Jésus. Envoie ta parole, y amène la guérison dans notre corps, Papa. Oh, mon Dieu, ce soir, Seigneur, nous connaissons le Dieu qui a l'écoute et toi le Dieu qui répond. Et nous rends-toi grâce, nous bénis-toi, nous dis-toi merci. Ma ta parole, Dieu, nous rends-toi grâce en tout temps, en toutes circonstances. Et nous rends-toi grâce ce soir. Pour tous nos bons frères, nos bonnes sœurs qui nous peuvent prier ce soir, Seigneur, qui dans une situation vraiment difficile. Mais toi, le Seigneur Dieu, le Dieu Tout-Puissant, toi le Dieu, Seigneur, qui est capable de renverser cette situation-là. Tu es le seul Dieu qui a fait cela, parce que tu es le Dieu vivant. Oui, Papa, ce soir, nous glorifions ton nom, nous magnifions ton nom, dans le bon nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous remercions toi, Seigneur, pour toutes ces prières qui font le monde vers toi comme un parfum de bonne odeur, Seigneur. Comment nous continuons à prier pour tous ceux qui sont malades. Seigneur, nous prions tout particulièrement pour une personne, Seigneur, qui si souvent des fois, il a un vertige, Seigneur Jésus, si souvent des fois, Seigneur, il n'est pas plus capable de marcher correctement avec assurance, Seigneur. Et que dans le nom puissant de Jésus-Christ, me commande tout ce vertige, tout ce man vertige, me commande sa man vertige d'aller aller. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, me prie de rétablir ce l'équilibre, Seigneur Jésus, de redonner cela santé, de fortifier le corps, âme et esprit. Garde-le, Seigneur, sous ta protection divine, Seigneur. Garde-le sous les ailes, Seigneur, que ta présence et demeure toujours avec lui. Seigneur, me prie pour tous ceux qui... Seigneur, malade, Seigneur, tous ceux qui atteignent le diabète, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que dans le nom puissant de Jésus, on commande toute trace de diabète, de quitte toutes les causes d'aller. Enlève toute trace de diabète dans le sang et me prie qu'ils aient l'école et me produisent l'insuline de façon normale. Tous ceux qui gagnent cancer, Seigneur, me commande tout cancer d'y aller au nom puissant de Jésus. Me détruire toutes les cellules cancéreuses, toutes les cellules qui sont malades. Et me prier qu'il y ait une cellule qui peut reproduire dans une école, il y ait une cellule en bonne santé. Seigneur, merci pour tous ceux qui viennent à l'écoute ce soir. Seigneur, te donne-nous un bon sommeil, Seigneur, te veille-nous comme la prunelle de tes yeux, te la main bénie, il repose-nous, Seigneur, et que la grâce de Dieu les surabonde et donne la vie dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. Amen. Et nous disons ensemble la grâce. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous éternellement. Amen. Voilà, frères et sœurs, on arrive à la fin de ce temps de prière, à la fin de notre service de guérison. Et nous donnons rendez-vous à mardi prochain à 8h du soir sur la page Facebook de l'Église Saint-Paul, Saint-Paul Mauritius. Au revoir et bonne nuit. Merci beaucoup. Merci, Pasteur Lola. Sorry, moi, je viens un petit peu en retard, moi aussi, aujourd'hui. Et donc, merci, Pasteur Steve, vous pouvez aussi encore là. Merci, Joanne. Et bonne nuit. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Bye bye, bonne nuit. Au revoir.